Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour votre présence aussi nombreuse. C'est vrai qu'on a un peu le trac, mais on est surtout très heureux d'être ici sur cette belle scène. Et je voudrais commencer tout de suite en remerciant Denis Lebas pour ce risque si précieux pour nous les artistes qu'il a pris en me programmant sans savoir ce qui allait en ressortir, moi non plus d'ailleurs, sans avoir écouté au préalable les fameuses 3 secondes de rigueur sur YouTube. Et en fait, c'était l'an dernier, sur cette même scène, je jouais avec Rhoda Scott et le Lady All Star, et il m'a demandé ce que j'avais dans mes tiroirs. Alors nous, les artistes, on a toujours plein de choses dans les tiroirs, des choses plus ou moins farfelues, mais farfelues, ça veut dire des choses pas réalisables, en fait. Et il a donné cette impulsion décisive pour qu'un projet existe, sinon l'idée serait encore peut-être dans son tiroir. Donc merci beaucoup, Denis Lebas. Et j'aimerais aussi remercier l'aspect d'IDAM, qui me soutient, moi, à titre personnel, mais qui soutient les artistes en général, au titre de la génération Spedidam. Elle a rendu évidemment cette résidence non seulement possible mais en plus confortable, et c'est pas négligeable. Donc merci infiniment, la Spedidam. Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, c'est un projet un peu qui sort un petit peu de ce que j'ai fait jusqu'à présent, surtout le disque précédent qui était un disque de standard, mes racines de jazz. Donc là, je pars un petit peu ailleurs. J'espère que ça vous plaira. J'aimerais vous présenter les musiciens qui m'accompagnent, et j'ai cette grande chance. Alors, à la batterie, quelqu'un qui m'accompagne déjà depuis plusieurs projets, c'est un des sideman les plus demandés en France. Moi, personnellement, j'arrive pas à m'en débarrasser. Monsieur Donald Contomanou. Contrebasse, un nouveau venu pour moi, dans ma sphère en tout cas, mais je pense que je vais l'adopter. Il vient de Belgique, monsieur Philippe Hartz. Au piano, un sideman aussi très très demandé, qui à mon avis n'est pas encore reconnu à sa juste valeur, mais je pense qu'il fera parler de lui. Monsieur Damien Argentieri. Et enfin, au oud, alors il nous vient d'Égypte. J'espère qu'il ne repartira pas tout de suite. Bon, je ne pense pas réussir à l'adopter quand même, mais on verra. J'ai vraiment bâti la musique autour de lui, autour de... Enfin, j'étais vraiment émerveillée de, non seulement par son talent, mais aussi par son ouverture d'esprit et condition pour qu'un certain type de musique puisse exister. Ça reste du jazz, et il a eu vraiment cette souplesse de réussir à jouer sur un terrain qui n'est pas le sien, normalement. Monsieur Mohamed Abouzekri. Mohamed Abouzekri. Après, j'arrête de parler, promis, une dernière chose. Le titre qu'on vient de vous jouer s'appelait Exil, donc vous l'avez compris, c'est un petit peu un projet qui est placé sous le signe du voyage, mais là, curieusement, on s'envole plutôt vers les nuages d'Irlande, avec la chaussée des géants. Bretagne.
Merci. Alors, pour jouer le prochain morceau, Songe en forme de palmier, j'aimerais inviter à nous rejoindre un joueur de Derbouka qui a une démarche très originale. Et je vous invite donc à applaudir monsieur Wassim Halal à la Derbouka. Thank you.
Thank you.
Malal, Donald Tontomanou. Thank you.
Wassim Alal à la derbouka, Donald Protomano à la batterie, Mohamed Abouzekri au oud, Damien Argentieri au piano et Philippe Hart à la contrebasse. On va finir ce concert avec un morceau que j'ai intitulé Joy. Merci beaucoup pour votre présence ici et continuez à aller au concert de jazz, on a besoin de vous. Merci. Thank you.
Monsieur Mohamed Abouzekri au oud. Damien Argentieri. Philippe Hart. Donald Cantemanou. Voici Malan. Merci. À la composition, à la direction musicale, au saxophone, à la flûte, Sophie Allour. Bon, d'accord. Mais on a 3 minutes.